Nous sommes le vendredi 17 juin. Je vous propose de regarder quelques projets que j'ai repérés cette semaine. Commençons par LabAQSynth. Il s'agit d'un synthétiseur qui a pour objectif de vulgariser le fonctionnement, justement, des synthétiseurs. Je vous propose d'écouter ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, en faisant tourner ces petits trous, on peut moduler le son du synthé. Il y a aussi les boutons sur le côté avec des potentiomètres. Il s'agit d'un projet qui est open source, donc tout le code est disponible ici, sur GitHub. Alors, ce projet utilise une carte que je connaissais absolument pas, qui s'appelle le DaisySeed, qui est un peu un concurrent du Tensie, apparemment. Parce qu'il est particulièrement pensé pour faire de la musique avec. Et donc ici, je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça la documentation. J'imagine que sur le GitHub on a accès au code, voilà le code Arduino. Mais je sais pas s'il a documenté la fabrication. Ça, c'est une grande question. Alors, on voit un peu plus comment ça fonctionne. Mais vite fait, ouais. Donc en restant sur ce sujet des synthés avec un qui est un peu plus documenté, Floyd Stenberg qui fait beaucoup de vidéos sur comment fabriquer ses propres synthétiseurs, particulièrement avec des Raspberry Pi, vient de faire une vidéo sur comment fabriquer un micro dext à partir d'un Tensie 4. Alors les micro dext en fait c'est des répliques de synthétiseurs DX7. Donc DX7, c'était le synthétiseur de Yamaha, qui est un grand classique. Bon, évidemment, c'est un synthétiseur qui commence à dater. Donc, faut aimer le côté old school du son. Mais cette version-là est très intéressante parce que on a vraiment tout un système pour composer de la musique directement sur l'écran et contrôlable avec ces deux encodeurs. Donc, Floyd Stenberg, il montre une version. Qui est sur breadboard, mais est-ce que j'ai mis un lien vers la doc? Chercher ça. Prodex Touch. Le voilà. Donc ici on a la documentation pour fabriquer tout de A à Z. Il me semble que c'est plutôt bien fait d'ailleurs. Si je le retrouve. Hardware, software, build instruction. Donc par contre il faut se fabriquer son propre PCB. Il y a un lien d'ailleurs pour le commander directement sur PCBWay, sachant que chez eux ils font une donation, ils donnent 10% de l'achat du PCB au créateur du projet. Et oui, ça m'a l'air assez bien documenté, donc je vous fais écouter ça, mine de rien, c'est quand même le plus important. «
Next up is a sample drum kit containing an assortment of acoustic and electronic drum sounds. This is best used for leads, bass lines, or arpeggiated sequences. Next up is a sample drum twice. Alors, comme il le précise dans la vidéo, vous avez peut-être entendu des parasites, et effectivement, c'est faute de l'écran. Donc, ils sont en train de travailler sur le problème actuellement. Et donc, comme je le disais, c'est un vrai DAW, une station de travail audio, dans le sens où il y a un tracker intégré, ce qui permet de composer de la musique. Using this sequencer off the screen. Here you can bon, après, c'est faut connaître le fonctionnement de ce genre de. C'est assez rustique, on va dire. Single note tracks, but we want this to be a drum track, so set this accordingly. So now we made this into a drum track. Now move the cursor all the way to the right and encode a left use onto the timeline. I'm going to push up again and now select the hi-hat sound, then go back to the timeline and insert that hi-hat sound between the kick drum sounds. Ouais, si il me le met en 360, ça va pas le faire. Après, ouais, le principe, c'est qu'on lui dit quels sont joués. Il le joue progressivement, en descendant. Il y a un système, il explique que d'ailleurs, pour le synthé, c'est pas exactement pareil, parce qu'on a ici un piano. Dans tous les cas, je vais pas rentrer dans les détails, parce que vu que j'ai jamais essayé, je sais pas exactement comment ça marche déjà. Je pense que je vais tester de le faire en version breadboard parce que j'ai un Tensi et j'ai deux potentiomètres comme cela. Donc ça, c'est un projet très intéressant. Donc on peut brancher un synthé dessus, qu'il soit en MIDI ou directement en USB. Donc ça permet de rendre autonome en fait un synthétiseur, un contrôleur MIDI avec un synthé assez sympa. Pour un prix assez raisonnable au final. Je vous tiendrai au courant si j'avance là-dessus. Suite. Alors ça, j'ai vu ça sur la newsletter de Raspberry Pi sûrement. BurnNet Pi, c'est un projet qui a pour objectif de recenser les chants des oiseaux et de les détecter automatiquement. Donc le principe, c'est d'installer sur un Raspberry Pi avec un micro idéalement de bonne qualité, dans un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux, et il va enregistrer et détecter automatiquement les chants des oiseaux pour après essayer de deviner de quel oiseau il s'agit. Pardon. Et ça se rapproche pas mal du projet PlantNet, qui est un peu la même chose mais pour les photos de plantes. Et il y a une application sur téléphone, il me semble, qui permet voir une version web qui s'appelle BurnNet tout court, qui permet de uploader des sons d'oiseaux pour après savoir quel type d'oiseau c'est. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un réseau de Raspberry Pi en fait, qui serait branché en permanence pour enregistrer les sons des oiseaux. Et ce qu'on peut voir sur le site, c'est d'ailleurs, on peut écouter les sons des oiseaux en direct en fait. Donc c'est un projet sympa, évidemment, faut pas l'installer à un endroit où il y a des gens qui passent. Sinon, bon, normalement c'est censé détecter le son des oiseaux, mais j'imagine que c'est un truc à enregistrer des conversations en douce. Mais je trouvais le projet assez marrant. Ça doit être relativement simple à mettre en place en plus, dans le sens où ça doit surtout être un Raspberry Pi avec un micro au final. Bon, après évidemment il faut avoir un micro qui soit relativement correct, histoire de pas avoir des sons qui soient pas terribles. Mais surtout qui enregistrent des sons d'ambiance et pas des sons dirigés. Vidéo suivante. Adafruit a sorti une vidéo
sur les pénuries sur les ATmega 328, qui est le microcontrôleur qu'il y a sur les Arduino Uno et les Arduino Nano. Donc ils en ont commandé 9000 en mars 2021, qui n'ont toujours pas reçu, donc en ce moment c'est assez compliqué. Donc ce qu'il y a d'ironique, c'est qu'on en trouve quand même sur des plateformes de développement, particulièrement sur les clones chinois. Je ne sais pas si Arduino en ce moment ils arrivent à en écouler, à en vendre des Arduino. J'imagine qu'ils doivent avoir un stock, donc s'ils doivent s'en sortir. Ensuite, en passant, ils en ont sorti des nouveaux aussi. Mais bon, l'Arduino Uno ne meurt jamais. Donc apparemment, ils en ont en stock. Mais bon, pour Adafruit, c'est pareil, ils en ont encore en stock, il me semble. Mais ça commence à manquer. Donc, petite information, sur les Arduino, il y a des ATmega 328P. Et apparemment, ils ont sorti une révision de celui-ci qui change pas grand-chose, qui sont les ATmega 328PB, je crois. C'est dans les commentaires qu'ils en parlent. Voilà. Donc, il y a une nouvelle version en fait de ce microcontrôleur, qui ça change pas beaucoup de choses. Il me semble mine de rien quand même qu'ils ont rajouté la possibilité de créer des capteurs tactiles avec. Donc, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, on risque pas trop de voir des Arduino avec ces nouveaux microcontrôleurs, parce que à mon avis la plupart des vendeurs ont un stock à écouler avec les anciens. Vidéo suivante, toujours d'Adafruit, c'est un projet qu'ils ont fait. Donc l'objectif, c'est de recycler des chutes de bois en créant des blocs de Lego avec. J'utilise une CNC, une mini CNC de Baton Tool, qui me semble qu'il est plus vendu d'ailleurs. Donc ça peut être un projet sympa à faire sur une mini CNC. Donc c'est des briques qui sont compatibles avec les briques Lego. Il y a toutes les explications sur le site d'Adafruit de comment faire ça soi-même. Et dans cette vidéo, d'ailleurs, il montre comment il l'a fait. Donc en premier, ils font l'arrière, parce que ça leur permet après de plaquer les briques sur une brique de Lego, ce qui permet de faire le haut plus facilement. Et voilà, vidéo suivante, ils ont aussi, comme chaque semaine, Adafruit imprime un projet qu'il a vu, qu'il trouvait intéressant. Donc c'est une boîte pour ranger des stylos en forme de buse d'imprimante 3D. Je trouvais ça marrant. Ça peut être pas mal pour ranger des outils à côté d'une imprimante. Au moins on sait... Et ça permet, comme mon frère me faisait remarquer, de dire aux gens la taille de la buse. Comme ça, ils n'ont pas besoin de demander. Ensuite, encore une vidéo d'Adafruit. Comme toutes les semaines, le vendredi, ils montrent leurs nouveaux produits. Donc il n'y a pas grand-chose de très intéressant cette semaine. Ils ont fait un boîtier de piles en fait, qui utilise une petite poignée pour l'allumer et l'éteindre. Et ils ont fait une version avec des broches qu'on peut mettre sur une breadboard, parce que c'était très demandé. Un badge RFID transparent pour ceux qui se demandent ce qu'il y a dedans. Un adaptateur USB A vers USB-C. Ils se mettent à vendre la dev board de SP32S3 qui a un écran. Alors le SP32S3, il est assez récent, mais on peut y avoir accès sur Arduino en installant la branche développement de le SP32. C'est pas encore disponible dans la branche release. Mais si vous mettez sur la branche développement, vous pouvez trouver le S3. Alors ils sont en release candidate, donc
C'est pas trop risqué de passer par là, où il suffit d'attendre pour le moment. Et c'est aussi disponible sur plateforme IO. Hop. Et là, il n'y a rien à faire, du coup, ça marche direct. Okay, this is interesting. We didn't stock a lot of these. These are Hall effect, like a dimmer. They're fader panels, and they're like kind of. Ah. Alors c'est une poignée qui utilise un capteur Hall, donc il est capable de détecter dans quelle position il est. C'est pas un bouton on/off, même si ça ressemble beaucoup à un truc pour activer genre des feux d'artifice ou une bombe, des explosifs. Et pour finir, ils ont des breadboards de qualité supérieure, apparemment. Ils ont particulièrement cherché à avoir des breadboards qui s'insèrent, où les broches s'insèrent vachement bien. Parce que c'est vrai que selon la qualité des breadboards, c'est pas forcément évident d'insérer des cartes dessus. Voilà pour Adafruit. Le vendredi, il y a aussi M5 Stack qui poste leurs nouveaux produits. Et donc, ils ont fait un adaptateur pour les M5 Stixxé, de façon à faire un self-balancing robot. Un self-balancing robot. Désolé. Alors, le fonctionnement, doit être assez simple à gérer, parce qu'en soi, toute la partie moteur, alors bien évidemment, ils le vendent en plus avec une batterie. Donc pour 45 $, c'est vraiment la totalité. Il y a le M5 Stixxé, la batterie et les moteurs. Pour gérer les moteurs, ils ont mis un STM32 dessus, qui communique en I2C avec le M5 Stick. Donc j'imagine que le STM32 fait la majorité du boulot. Après, j'ai pas trop creusé le sujet. Mais oui, ça peut être un projet sympa à faire, particulièrement avec un public un peu jeune. Enfin, voilà pour les nouveautés chez F5 Stack. Oui, je vais regarder le code pour savoir comment ça marchait. Visiblement, le STM32 qui sert de driver pour les moteurs et communique en I2C, parce qu'on voit qu'il y a wire. Ça a quand même l'air d'être. Ouais, c'est quand même le M5 Stick qui gère la partie balancement, visiblement. Parce qu'il utilise le gyroscope du M5 Stack. Du M5 Stick. Et ben voilà pour ces quelques projets sympas que j'ai vus cette semaine. Bah, à la semaine prochaine.